Et bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, bon, il restait 5 minutes. Ah, le chat. Bonsoir, comment allez-vous? Comment ça va? J'ai fini de décuver, j'ai fini d'avoir la gueule de bois, tout va bien de mon côté. Je suis... Bah super le chat. Voilà, je suis en train de finir les derniers réglages. J'ai rallumé ma PS4. Qui avait pris la poussière parce que j'y ai pas touché depuis trop longtemps. Et je sais pas à quoi jouer ce soir. Je savais pas à quoi jouer ce soir. Je me suis dit que je voulais trouver un truc chill. Donc j'avais hésité à partir sur Days Gone, qui est pas si chill que ça, mais que j'avais déjà un peu fait. Et c'est de l'open world un peu basique avec plein de zombies et tout, c'est rigolo. Et au final, je me suis rappelé que j'avais un jeu que j'ai déjà fait, mais que j'ai bien envie de me refaire, qui est donc Le Suicide de Rachel Foster, que j'avais acheté un petit peu au pif et que j'avais surkiffé. Donc voilà, un petit walking simulator, ça va bien, parce que vraiment, ce matin, je ne sais pas comment je suis sorti du lit. Je ne sais pas comment j'ai réussi à passer une journée au travail avec un mal de crâne pas possible. Mais je l'ai fait. Et ouais, j'ai un peu trop de grosses soirées, je suis un peu trop vieux, voilà. Donc ouais, vraiment soirée chill. On joue, on fait les heures de Twitch, hein. On fait les heures que le patron demande là. Et puis voilà, et puis on va voir où ça nous mène et tout. Je vais pas arrêter non plus super super tard. Je pense que le minuit sera un max, peut-être un peu plus. Parce que je dois me lever tôt demain et mercredi et c'est tout, heureusement. Donc voilà, ça va être un petit moment sympa. Enfin, le jeu est très sympa quand même, un peu émouvant, mais super sympa. Donc j'ai hâte de le lancer. Ça, franchement, je suis très content parce que j'ai vraiment cru que la Play 4 ne démarrerait pas. Elle s'allumait et en fait, faut savoir que la Play 4, elle a ce truc que je trouve complètement con de Yo, comment ça va, Maëlys Truffade? Alors je suis désolé, on va voir un jeu, il n'y aura pas... Il n'y a pas Spider-Man dans le jeu ce soir. Voilà. Mais comment ça va sinon? Comment se passe la fin des vacances? Pétition pour faire des mods pour tous les jeux avec Spider-Man. Mettre Spider-Man dans les jeux. Non mais j'ai galéré par contre à rallumer la Play 4, c'est fou. Donc parce que mes câbles pour ne marchaient pas, la manette n'était pas reconnue. Plus que demain pour glander. Ah oui, en plus c'est en plein milieu de semaine que tu reprends. Oh là là. Moi j'avoue, j'ai plus que... Non mais ça va du coup, ça remarche. La manette est en train de charger là. Ah et moi ça va, je bosse jusqu'à jeudi et j'ai vendredi, samedi où je suis off. Et je reprends dimanche. Bon j'avoue que moi j'attends surtout la paye plus que les vacances. Là, ça commence à être un peu dur. Mais voilà, j'ai préféré me garder le début de semaine. Ouais, ah oui, donc oui, ça reste. Ouais, tu fais mercredi, jeudi, quoi. C'est une reprise. Et en même temps, ça fait du bien, parce que moi, j'ai des jours comme ça. J'ai des semaines comme ça, où on bosse que 4 jours. Alors, c'est 4 jours intenses, hein. C'est 4 jours où tu fais 40 heures, du coup, à peu près. Mais par contre, bah du coup, t'as 3 jours de repos dans la semaine. Et souvent, ça se cumule avec d'autres semaines où le lundi aussi, t'es en repos. Enfin, on a au moins une fois par mois, on a des week-ends de 3 jours. Et genre, en fin de semaine, on a encore le week-end. Enfin, c'est hallucinant. Et je peux... Ouais, non, ça fait du bien. Je sens que là, je vais avoir un... Bah oui, bah ça, après, tu... Voilà. Il y aura des mails de newsletter. Je penserai à toi quand je rédigerai la newsletter en retard. Parce que je l'ai pas faite aujourd'hui non plus. Et j'aurai sûrement pas le temps de la faire demain. Mais... T'auras des mails de newsletter à récupérer. Donc, ouais. Après, si tu veux, j'ai quand même une. Avant de commencer, est-ce que tu veux quand même une anecdote drôle? Ça changera des mails de gens pas contents. C'est ça. Bah, moi, je suis pas content hein, quand je fais la newsletter. Sachant, ouais, les sourds, faudrait qu'on les inclue vachement plus. Est-ce que tu veux une anecdote drôle sur ma vie? Non, sur Soutur. Hier soir, vraiment, je tiens à partager ça. Je pouvais pas le partager dans le Discord, mais je me sens à moitié mal et à moitié ça va. Faut savoir qu'hier j'ai fait une soirée avec des potes de... T'es pas content? Oui, c'est ça. Je mettrai dans le mail, tu sais, en blanc, sur fond blanc. Maëlys Truffade, hashtag Maëlys démission. Non, évidemment. Non, non, je peux comprendre.
Mais ah, oh, c'est joli en plus le petit badge d'abonnement. Ah oui, 2 mois, waouh! Oui, très rapidement. En fait, le pourquoi aussi je fais un jeu de chill, c'est que donc hier soir, je suis allé. J'ai revu des potes de Twitter que j'avais pas vu depuis longtemps. Notamment des entre-deux, je crois que j'avais déjà raid, qui est déjà passé sur le chat et tout, machin. Parce qu'elle est à Paris en ce moment, enfin, y aller à Paris. Et c'était la soirée entre gens que je vois pas très souvent, genre une fois par an. Donc c'était assez cool. Et en fait, idiot que je suis, j'ai bu beaucoup, beaucoup trop. J'ai ramené un cubi, déjà c'était la première erreur, parce que ça coûte cher ces merdes, quand c'est pas à Lidl. Et bref, j'étais bourré. Et je me dis à un moment, bon, je commence à être un peu trop bourré, j'ai envie de bégère. J'avais déjà vomi un peu vite fait, mais tu vois, le truc safe, c'est une soirée où genre tu vas vomir, on te dit ça va, ouais, ok, très bien. Et puis voilà, tu restes, tu restes pas. Et je vois que j'ai raté les derniers métros. Et je me dis, je vais prendre un Uber. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en fait, une des raisons qui fait que je n'ai pas le permis, c'est que j'ai peur en voiture, mais que je peux être un peu malade. Alors je vomis très rarement en bagnole, sauf quand je suis fin sous, évidemment. Mais c'est juste que j'aime. En fait, en transport, je me sens pas bien. J'aime pas la place de la fenêtre parce que je vois le paysage bouger. J'aime pas être en plein milieu parce que je vois pas le paysage bouger. C'est un enfer. J'ai du mal à supporter les trajets. C'est pour ça que je dors d'ailleurs très souvent dedans. Et donc je commande un Uber et tout, puis je dis à tout le monde, désolé, en fait j'y vais, je vois que j'ai raté les derniers métros, le Uber est déjà cher, je vais pas rester plus, machin, enfin, bon en gros. Donc je dis au revoir à tout le monde et tout, je descends, le mec m'appelle, oui, j'arrive, paf, et je monte dans sa caisse. Et je lui dis, écoutez, je me sens pas très bien, mais là ça va, j'ai pas envie de vomir, tu vois. Parce que on va éviter de bégère dans la bagnole d'un mec qui est payé au lance-pierre par une compagnie. Et en fait, il prend le périph, moi j'ouvre la fenêtre pour prendre de l'air, tu vois, je lui dis, désolé, je vais vraiment prendre de l'air parce que. Parce que j'ai besoin en fait de ça là vraiment pour pas vomir. Et je fais si vraiment j'ai envie, je vous préviens. Est arrivé ce qui est arrivé. Et là vraiment je me sens un peu honteux, mais ben, j'ai pas eu le temps de le prévenir. Voilà. C'est arrivé. C'est pouf. Donc j'arrive à sauver les meubles, je vomis quasiment tout sur la portière dehors. Et quasiment rien dedans. La plupart sur mes fringues. On est beau, hein, c'est. On aime le vomi ici. Je fais tout ça. En plus, j'étais beaucoup trop bourré pour. Non, non, mais par contre, c'est pas cool, tu vois. Genre. Ce qui s'est passé, du coup, c'est que bah, le mec, il me dit oui, mais faut prévenir. Et moi, j'étais genre, oui, enfin, en fait, si je vous ai pas prévenu, c'est pas que je vous aime pas. Tu vois, genre, j'ai pas envie, tu vois. Et là, il me sort un truc. Il me dit il va falloir payer, et il va falloir payer en espèces. Et j'étais encore un peu lucide, et je me dis attends, c'est chelou qu'un mec, par contre, me demande de sortir de l'espèce. Tu vois, il a pas envie de déclarer un truc, il y a un machin chelou et tout. Je fais genre, ok, moi, à la limite, en y réfléchissant après coup, je me dis que tu me dises, bah si ça vous dérange pas, en fait, vous pouvez pas me descendre un sopalin et juste donner un coup dans la caisse. Ce qu'à la limite, je peux comprendre, tu vois. Il me dit, non, non, va falloir payer. Et moi, j'étais là, genre, bah en fait, s'il y a ça, enfin, si c'est prévu dans les conditions de Uber, moi, vous me facturez via l'appli, tu vois. Voilà. Et il me sort une excuse que j'ai pas trop compris, machin. Et moi, j'étais là, genre, bah en fait, dans ma tête, je me dis, j'ai pas envie de payer en espèces ce gars, parce qu'il me sort n'importe quel montant, il fait un peu ce qu'il veut, enfin. Je suis tout seul en plus, il était 1h, 2h du mat, donc pas serein, tu vois. C'est pas comme si c'était en plein après-midi où tu te dis, bon, entre guillemets, il va rien faire. Et il me dit, non, non, mais vous me donnez des espèces. Et je dis, bah en fait, moi, j'ai pas d'espèces. Et mytho, parce que je me sentais pas, je dis, ma carte bleue est chez moi. Et c'est faux, ma carte bleue était. Voilà. Si la fin d'anecdote, c'est que tu as démantelé un réseau d'arnaqueurs, c'est génial. Non, 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 non. Mais comment ça va d'ailleurs, Pierrot? Pierrot a vu mon départ bourré. Hein, ceci. Lui, il m'a vu partir bourré. Je sais pas à quel point je l'étais, ceci dit. Voilà. Et donc, le trajet se termine, on arrive, et il me dit, bah en fait. Et moi, vraiment, je le sentais pas, et je me dis, bah en fait, je vais juste monter chez moi, fermer la porte, et basta. Et j'ai la chance, c'est qu'il n'y a pas mon nom sur la porte. Donc en fait, tu montes chez moi, même s'il arrivait à rentrer a posteriori, tu vois. Et il me dit oui, vous laissez un truc dans la bagnole. Et là, pareil, je peux comprendre sa logique. Moi, j'étais agent, mais en fait, je vous connais pas. Même si vous êtes un chauffeur Uber, enfin, si vous vous barrez avec un truc perso, et du coup, suffisamment important pour que je revienne, donc genre une carte d'identité, mon portable ou quoi, je fais moi, en fait, je fais comment pour prouver à Uber que. Enfin, tu vois, bon, j'ai pas développé à ce point-là parce que j'étais bourré, tu vois, mais en gros, l'idée, c'était, bah, moi, je vous donne pas. Mais ça fait un perso. Voilà, à un moment, soit on se fait confiance, soit en fait, non, ou alors vraiment. Bah, tu me factures via l'appli, tu vois. Enfin, pour moi, ce serait logique de dire, bah, le client, je sais pas, il a vomi, t'envoies des photos et tout, et puis basta. Et tu dis juste, enfin. Du coup, je rentre chez moi. Évidemment, il me suit pas. Donc, je referme parce qu'il y a un digicode. Mais je me dis que je crois que si tu pousses la porte très fort, ça tape. Et je monte très vite. Je monte chez moi, je rentre et je m'enferme. Donc, je me dessape, je fous mes affaires
que j'ai lavé ce matin, je les ai foutus dans un sac et tout machin. J'envoie une photo vite fait au pote en mode c'est bon, je suis arrivé et tout. Et en fait, je pense que dans ma tête, ça a pris 2 secondes. En pratique, vu comment j'étais, je pense que ça a pris au moins 20 minutes. Je sais pas. Et du coup, bah en fait, moi, mon téléphone, je vois qu'il y a plein d'appels manqués du chauffeur. Et je suis là, genre, mais en fait, j'ai pas envie, tu vois, je flippe. T'as un mec qui m'attend, qui a l'air vénère dans la rue, qui veut juste m'extorquer de l'argent. Et en plus, de toute façon, enfin, j'ai pas d'argent. Est-ce qu'il fait tourner la course, machin? Enfin, il y avait plein, trop de questions. Trop de questions. Et pas la capacité de réaliser quoi que ce soit, tu vois. Et je me dis, bah, je fais écoute, tant pis, je vais l'ignorer. Et vraiment, au pire, il me surfacturera via Uber. Ce qui me fait chier, mais. C'est ce qui me paraît le plus safe, tu vois. Et du coup, donc je passe en mode avion, comme je fais par contre quand je dors, je passe toujours en mode avion. Je passe en mode avion, enfin j'envoie les derniers messages, genre bonne nuit, au revoir, machin, merci pour la soirée, hein. Je sais même pas si j'étais assez frais d'ailleurs pour avoir dit merci pour la soirée, mais la soirée était très très bien. Avec des gens de qualité. Et en fait, je m'endors, d'un seul coup je suis réveillé par des bruits et j'entends quelqu'un genre qui court très vite dans la cage d'escalier. Donc c'est moi j'ai que du bois chez moi. Donc je me dis ok le gars a poussé la porte, mais en fait qu'est-ce qu'il fait tu vois? Est-ce qu'il va courir et il va espérer tomber sur mon nom? Il y a plein de voisins hein, qui n'ont pas de nom sur leur porte, donc clairement il avait ni l'étage ni bah, il avait ni l'étage ni les infos. Enfin il allait pas, tu vois, tu te dis le gars est pas assez vénère pour aller tenter de taper à la porte de plein de gens avec 2 heures du matin pour un gars qui a bégère en grande partie sur la porte à l'extérieur. Tu vois genre pour 20 balles, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et je commence à me rendormir et d'un seul coup je l'entends. Parce que je pense, je me lève vite fait à cause de ça, je penche la tête par la fenêtre, je vois qu'il y a sa bagnole. Je suis là, genre, bah de toute façon, enfin, il faisait noir donc je me dis au pire il m'a pas vu. Et en fait, même si au pire il m'a vu, ben attends, enfin, il va, tu vois, il va faire quoi? Rien. Et je l'entends hurler mon prénom en mode machin, descends! Descends! Et moi j'étais là genre, mais j'ai pas du tout, j'ai plus du tout envie de quoi que ce soit. Tu vois, je me sentais mal avant, je me sentais plus mal du tout après de me dire qu'il y a un gars qui a sûrement voulu me taper. Ça a escaladé très vite, je trouve, cette info-là. Et du coup, tu sais, j'étais là genre, bah qu'est-ce que je fais en fait? Et je m'aperçois ce matin que le prix de la course a augmenté, mais genre de 10 balles. Parce que je pense qu'il a laissé traîner sa caisse en bas, tourner sa caisse, et Uber, si t'attends un petit peu, il y a des frais d'attente, tu vois. Il y a eu 20 euros, je crois, de frais presque. De temps. Je sais pas ce que c'était. Du coup, moi, j'ai juste envoyé un message à Uber et j'ai dit, bah écoutez, en fait, à la limite, voilà, le gars, il s'est passé ça, j'ai bégère dans sa caisse, donc à nouveau, s'il doit me facturer, il me facture. Je fais, par contre, c'est normal que le chauffeur, genre, te hurle dessus, enfin, hurle dessus, veuille descendre et tout, et je savais pas du tout comment être. Du coup, j'ai juste envoyé un message à l'assistante, puis en disant, en fait, c'est bizarre aussi parce que sur ma facture, vous m'écrivez 25 euros, il y a un débit de 35 euros, il y a un truc pas net, donc juste qu'on m'explique. S'il y a des frais de nettoyage, pas de problème, vous les laissez et tout, quoi, mais juste, par contre, qu'on s'amuse pas à me. Oui, j'avoue, mais qu'on s'amuse pas à me douiller non plus sur. Tu vois? Donc, je n'ai pas démantelé de réseau d'arnaqueurs, mais j'avoue que j'étais pas serein du tout. Du tout, du tout, du tout hier. Ceci dit, je suis très content d'être arrivé en un seul morceau. Ma chemise va bien, hein, j'ai nettoyé ce matin avant de partir au taf. J'ai pris un Doliprane en arrivant. Là, je rebois une bière. On est bien, mais je pense que je vais pas reboire autant avant longtemps. Voilà. Oui, alors Uber m'a répondu, m'a dit, bah écoutez, donnez-nous des détails sur ce qui s'est passé. Donc ce que je viens de vous dire, en gros, je l'ai dit, quoi. Voilà. En disant bien que c'est voilà, c'est quand même moi qui avais bégère à l'intérieur, enfin, à l'intérieur de la caisse en partie et surtout à l'extérieur, que voilà, j'avais pas pu le prévenir, que c'était involontaire, enfin, voilà, que genre j'étais pas là, genre le mec est un énorme connard, juste par contre, ce qui s'est passé derrière me paraît pas normal, tu vois, pour moi, c'est pas normal du tout que t'aies ça. Donc, et après, plus rien pour l'instant. Donc je sais pas s'ils investiguent, je suppose qu'ils demandent aussi la version au chauffeur, qu'ils regardent peut-être son passé, est-ce qu'il y a eu des trucs pareils, est-ce que d'autres gens s'en sont plaints, machin et tout. Voilà. Parce que moi au pire je m'en fous, j'ai pas envie que le gars il se fasse dégager par Uber ou quoi, s'il est pas dangereux et que juste là il était énervé et que c'était. Bon après, t'as pas à être énervé comme ça, tu vois, mais au pire il se tape un avertissement et puis on n'en parle plus. Même si j'ai globalement du mal avec ça parce que je connais pas sa situation, il est peut-être probablement très précaire ou il fait ça parce qu'il veut se faire 2-3 économies, j'en sais rien.
Mon seul doute, c'est qu'en fait, mon seul truc, c'est que je pense que c'était pas sa bagnole, parce que ça arrive que des chauffeurs Uber empruntent les voitures de quelqu'un d'autre ou quoi, ou ils aillent chez des concessionnaires. Comme ça, du coup, en fait, ils utilisent la voiture que de temps en temps. Donc, ils n'ont pas à s'emmerder à payer l'assurance et tout. Ils la louent pour la nuit et ils ont juste besoin de faire un certain nombre de courses pour être rentable. C'est moins rentable, entre guillemets, que quand t'as ta propre voiture. Mais bah du coup, si à un moment tu t'es malade, t'as un arrêt d'activité, enfin s'il y a le moins de soucis, tu t'en fous, t'as quand même une belle bagnole qui est toujours entretenue. Et du coup, bah si je gerbe à l'intérieur, quand le gars la ramène, évidemment, ça lui fait des frais en plus parce qu'ils vont tout nettoyer quoi. Surtout que là, il était 1h, 1h20, je pense que le gars il devait être en début de service. Voilà. Et ça permet, ouais, enfin c'est ce qui permet d'avoir des, voilà, des bagnoles un peu plus jolies et tout, sans forcément dépenser beaucoup quoi. Ceci étant, je déconseille vomir avec un masque. J'ai testé du coup. J'ai testé pour vous, c'est pas terrible. C'est pas. C'est goûtu quoi. On aime bien. Le masque a. Ah ouais, non, c'était. Mais le masque a trempé toute la journée dans du vinaigre blanc là, donc je pense qu'on est. Je pense qu'on est bon en termes de désinfection. Sur ce, l'anecdote est finie. J'espère que vous l'avez apprécié en tout cas. J'espère que vous avez apprécié cette histoire de qualité. Cette chute, ouais, c'est ça. Tout ça pour dire, bah non, mettez pas la main devant la bouche. Hein. Quand ça sort, ne faites pas caca dans votre slip. Voilà. Il faut le brûler par contre. Non, non, du coup, je l'ai désinfecté. Je l'ai nettoyé. Bah en fait, ça aurait été un masque random, je l'aurais tège. Ça, c'est un cadeau. Ce masque, c'est un cadeau, et c'est un cadeau, c'est un masque de Pokémon Shirts qui coûte assez cher et que j'aime beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et à 20 balles le masque, non, moi je le désinfecte, voilà. Donc je l'ai nettoyé ce matin, je l'ai frotté, je l'ai brossé, et je l'ai fait tremper enfin, dans de l'eau avec du vinaigre blanc, évidemment, histoire d'enlever les mauvaises odeurs et tout. Et il va être propre, hein, après, c'est juste de la bouffe mal digérée, donc bon. C'est ma bouffe, voilà. C'est pas comme si quelqu'un avait vomi dans mon masque. Oh là, d'un seul coup, ne faites pas ça. N'allez pas bégère dans le masque des copains. C'est pas drôle. Mon Dieu. Ah là là, putain, je commence à avoir faim alors que j'ai bouffé, quoi. Ceci étant, on a bouffé de la merde au boulot. Hein. Voilà. C'est compliqué. Enfin bon. Après tout ça, je vous propose qu'on démarre le jeu, qu'on démarre le game. Ah, il y a le chat qui se. Qu'est-ce que tu fais, Lily? Qu'est-ce qu'il fait, le chat? Tu crois que je te vois pas dans la webcam? Tu crois que je te vois pas? Allez, monte. Monte, viens dire bonjour aux gens. Lily. Tu montes? Non, elle n'a pas envie. Écoutez. Voilà. J'espère que la soirée s'est bien terminée d'ailleurs, hein, Pierrot. Après. Enfin, apparemment, oui. J'aurais dû faire mon live hier, comme ça tout le monde serait venu aussi. J'ai adoré d'ailleurs la vidéo de moi n'arrivant pas à suivre le troll du stream de Chabrette. C'était quand même assez cocasse au final. Je sais même pas pourquoi je fais une blague nulle en disant que j'ai des problèmes d'érection, mais. Déjà, c'est pas une blague, c'est vrai. Mais voilà. Allez, sur ce, on va partir sur le jeu. Alors attendez, je vais me mettre. We can buy, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. On se met en mode gaming. Attention, les meufs. Avermedia. Ouais, alors attendez. Ah oui, pardon, la console s'est éteinte en fait. Évidemment, c'est pas. Je l'ai lancé, mais. Hop, on réactive. Voilà, c'est beau, c'est bien mieux comme ça. C'est bien mieux quand ça marche, hein. Donc je vais faire ceci. Saucisse. Putain, c'est fou, dis donc, ça fluctue de 3, 4, 6 spectateurs depuis tout à l'heure là, qu'est-ce qui se passe? Bah enfin.
Enfin, des gens veulent déprimer ce soir? Je sais pourquoi. Qu'est-ce que ça donne niveau son là? Mettre comme ça. Ça vous paraît bon? Est-ce que ça vous paraît ok, bat in? Ah, il y a Unfinished Swan qu'on a fini. Là, c'est la dernière fois que j'ai dû allumer ma play, je pense. Je vais vérifier sur mon retour. T'as par contre, il y a un pshhh, il y a un. Excusez-moi pour l'écho. Un bruit de vent monstrueux. Attendez, si je ferme la porte, c'est ça. Ah bah non, si, je vois ce que c'est. On va juste décaler un petit peu le micro. On va l'éloigner. C'est un peu mieux. Je vérifie. Ouais, c'est un peu mieux. En fait, c'est mon ordi qui souffle. Alors, pif, on passe sur la play et on va donc se lancer pour The Suicide of Rachel Foster. Donc le jeu, je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai fait comme je dis il y a longtemps, on le voit d'ailleurs, je l'avais acheté par hasard quand il était en promo. En fait moi j'aime beaucoup les Walking Simulator depuis Firewatch. Principalement. Je me suis fait aussi What Remains of Edith Finch. C'est un genre de jeu qui me plaît bien en fait. C'est détente, c'est chill, on se fait plaisir. Enfin, c'est cool et en même temps ça peut raconter des trucs assez jolis. Et là en l'occurrence, ça parle de sujets qui sont pas mal. Tout en commençant de manière assez tranquille en fait. Enfin, il n'y a rien de violent de base dans le. Dans le propos au début. Je vais juste faire un truc, c'est que je vais récupérer un câble USB-C, parce que mon portable, qui me permet de lire le chat, n'a quasiment plus de batterie. Donc je vais juste le laisser en charge. Je vais pas mettre la pause, on a pour 2 secondes. Bye, bye. Voilà. Oh bah oui, tu es très beau mon chat. Mais toi aussi tu es très belle. Vous êtes deux chats très très beaux. Hein? Est-ce que vous pensez à dire à vos animaux de compagnie qui elles sont beaux? Parce que bon, il faut en fait. Je vais mettre le chat ici. Gestion de stream, c'est parti. Vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez. Alors, jusqu'à ce que les deux papillons soient aussi visibles l'un que l'autre. Ok. Tout le temps, très bien. Et ben c'est pas assez quand même. Alors qu'est-ce que ça donne le son là? Est-ce que quand je parle, on entend le jeu et on m'entend aussi? Ou pas? Parce qu'on peut changer les réglages son et tout dans le jeu, mais alors c'est un enfer, ça marche mal, je sais pas pourquoi, donc voilà. Dites-moi. D'ailleurs, ce qui me fait penser qu'il y a un truc qu'il faut que je corrige. Je vais vérifier, parce que s'il y a des notifs, bon, c'est rare que je tape des follow, des subs, des machins, mais s'il y en a, faut que le son marche. Le son marchera, c'est bon. Mais ouais, est-ce que c'est... Normalement, ça a l'air bon, hein. Pour moi, ça a l'air bon. Pour vous, c'est bon? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? S'il vous plaît. Ce que ça donne, voilà. Est-ce qu'on m'entend assez bien? Est-ce que le jeu, on l'entend assez bien au niveau de la musique? Si j'ai pas de réponse, je prends ça pour un oui pour l'instant. Écoutez, puis on va voir. Oui, très bien. Ah, il y a peut-être beaucoup trop de décalage, Romain. Quand je stream, des fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de décalage. Merci beaucoup, Maëlys. Tu gagnes un sandwich. Alors, ma chère Nicole. Ah oui, il y a plein de sous-titres. si besoin. Ah ok, et on répond. Tu es la fille que toute mère rêverait d'avoir, belle, intelligente et juste. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, ça n'a pas toujours été facile, je le sais, mais souviens-toi de ce que le docteur Franklin a dit après ton discours lors de ta remise de diplôme.
Face à un dragon, il faut savoir brandir son épée et son bouclier, ou il faut parfois savoir quand s'agenouiller. J'adore ça! Les sandwichs? Ou... Je t'ai toujours considéré comme une battante qui, face aux plus grands défis, est à la fois malléable et vive d'esprit, capable de comprendre quand il est préférable de se retirer. Nous n'avons jamais parlé de ce qui s'était passé avec ton père, mais désormais il y a certaines choses que je dois te dire avant que cette maladie ne nous sépare. Oh, on démarre bien! Sandwich palais suicide. Ça ferait un trait, oui. Et si on remplaçait le mot sandwich par suicide, ce serait quand même vachement moins dur à. Tu vois, genre Sandwich Squad, le film. Non, elle était pas ouf. Je sais pas où je voulais aller avec cette blague, mais on va abandonner. Oui, effectivement. La liaison que ton père a eue avec cette jeune femme il y a 9 ans, cette femme qui s'est ensuite suicidée, a détruit notre famille à jamais. J'imagine exactement à quoi tu pensais à ce moment précis. Mon père n'existe plus à mes yeux, ou je ne peux faire confiance qu'à ma mère. Mon père n'existe plus. De toute façon, est-ce que les papas, ça existe quelque part? Est-ce que leur spécialité au papa, c'est pas de ne pas être là? Que ton père avait irrévocablement trahi notre confiance, et qu'elle avait eu raison de se jeter de cette falaise. Oui, alors quand même. C'est le papa le problème, c'est pas l'autre dame. J'étais là, j'ai toujours été là. Quand tu t'es démis l'épaule lors de ton premier match, quand tu as pleuré toute la nuit dans une pièce que tu ne reconnaissais pas, et quand tu as embrassé Duncan Forbes sous le gué de Noël en 85, quel souvenir de merde, je suis sûr que Duncan embrassait très très mal. Tu as manifesté contre l'avortement pendant ta première année à la fac. Je pense que c'est... voilà, hein. On sait ce qu'on choisit. Duncan, on s'en branle. J'ai toujours admiré ton courage et ta persévérance. C'est ça qui t'a permis de remporter tous ces succès à la sueur de ton front. Tu ne t'es pas laissé distraire par les choses futiles ou les contes de fées. Nous avons tant de choses à dire quand le temps nous presse. Tout d'abord, je te présente mes excuses. Pour commencer, je m'excuse. J'avais oublié ce passage au début du jeu. Il y a quelque chose de joli, de beau dans ce déplacement de parapluie où tu pousses des gens, enfin... Je n'ai jamais pensé que la rage était une émotion digne d'un bon chrétien, mais je m'en suis servi, et je m'en suis servi pour surmonter mon chagrin. Je ne veux pas que tu aies la même vie que moi, ma chérie. Je veux que tu te libères du passé une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je veux que tu fasses exactement ce que je te dis. Vends notre hôtel. C'est une bourgeoise quand même, hein. Et les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. L'hôtel appartient à ma famille et il te revient. Retourne-y, Nicole. J'ai engagé un avocat à Helena. Monsieur Jenkins te donnera cette lettre après le décès de ton père. Je ne serai plus là depuis longtemps. Fais une visite rapide, signe les papiers et vends ces murs qui ne renferment que de la colère. Garde ce qu'il te faut pour rembourser tes prêts étudiants et donne le reste à la famille de la fille. Terminons cette histoire une bonne fois pour toutes. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Nous avons toujours été là l'une pour l'autre. J'aurais aimé être là pour assister à ta remise de diplôme, à ton mariage, à la naissance de tes enfants. Mais voilà, nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Utilise le tien pour aimer. Il n'y a rien qui soit plus important dans la vie, crois-moi. Je t'aime plus que tout au monde. Claire Winson, ta mère, le 20... Ta mère. Le 24 juin 91. Donc, notre maman est morte. On a hérité d'un hôtel qu'on est invité donc à vendre pour rembourser nos prêts étudiants et essayer de donner de l'argent à la famille d'une fille qui s'est suicidée parce que notre père l'avait baisée et a décidé de pourrir l'intégralité de la famille. Ma mère trash, écoutez. Un classique. En fait, c'est pas la maman, c'est le daron qui est mort, là. Pardon. Ah non, mon potos, j'ai l'impression que mes boutures tirent la gueule. Peut-être que je l'ai mal bouturé. Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than... Le jeu est vachement joli, hein. Il date un peu, je crois, mais je le trouve très très joli. The National
Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Cloud County? Je sais pas si vous avez déjà fait d'ailleurs, vous, si vous jouez à des Walking Simulator ou pas. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Ça fait longtemps que ça existe en plus, même si c'est Firewatch qui a vraiment apparemment démocratisé un peu le truc. Il y en a un que je voulais tester justement, faut que je le trouve. C'est un projet Itch.io qui a l'air pas mal. Mais c'est souvent des bons prétextes à avoir des histoires assez cool, assez touchantes. Voilà, très linéaire, tu le fais qu'une fois et c'est. Voilà, mais c'est assez beau. J'ai cru que le live avait coupé. Moi, en Firewatch, j'aimerais pouvoir le refaire et tout oublier en fait. Là, ça charge, hein, c'est un peu long, mais voilà. J'aimerais ouais, pouvoir tout oublier et le refaire. Il fait partie de ces jeux où je peux que le recommander aux gens. Mais je sais que je le ferai peut-être un jour en live, quoi. Mais pour moi-même, Firewatch, je l'ai fait, quoi. Et juste, ça fait un peu partie de ces jeux où je l'ai lancé en me disant, tiens, ça a l'air cool. Et en fait, vraiment, je pense que je vais m'en rappeler pendant longtemps. Il était beau, il était vraiment très très beau Firewatch. Même là il y a 12 minutes qui est une petite claque que j'ai pas encore fini, faudrait que je le fasse. Alors, on vient d'arriver au chalet. Ah non, ça c'est le... J'ai la carte, ok. Faut pas être pressé. Hein. Alors... La moto de Léonard. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the mountain museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Ah. Un coup de... Est-ce que c'est Phil qui nous appelle? C'est un coup de Phil. Ok, donc il y a ça et ce serait là-bas. Ah, c'est là. Quelqu'un a appelé la police. Oh, c'est joli ça. Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard. Léonard, c'est le daron. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Mais attends, du coup, comment on a pu se faire appeler alors? Pourquoi on s'est fait appeler? Jenkins a dit qu'elle était donc dans la master suit. Ah oui, c'est bon. Enfin, c'est bon. Je dis c'est bon, je me rappelle parce que quand même. We should have hired a decent attorney from Portland, mom knows potato head. Une potato head, c'est une tête de patate.
Il est joli, hein, Je vous ai dit que le jeu, je le trouvais très joli. Parce que vraiment, il est joli. Qu'on doit aller dans la Master Suit. Qui est de mémoire là-haut. C'est ça. Hey, bonjour, c'est Shining ou quoi, MDR? Regardez, il y a peut-être des deux gamines avec un tricycle là-haut. Non, un enfant avec un tricycle et deux gamines, c'est ça? Je sais pas, j'ai pas vu Shining, j'aime pas trop ce que fait Romero. Mais. Je suis juste là pour trigger des gens. En fait, c'est pas une suite, hein, c'est. Oui, voilà, non, mais c'est un appartement. Ça, regardez, vous voyez ça? Cette pièce-là. Ça, c'était la taille de mon appartement à Paris avant. Voilà. Maintenant, j'ai un appart qui fait deux fois cette pièce. Et même la litière du chat, je crois. Ou c'est un coussin, je sais pas. Des médocs par terre dans la poubelle. Un balai en plastique. Pourquoi le rendu est très propre partout? Tout est très beau sauf sur ce balai. C'est là. Last Will and Testament. Ok, donc ça c'est le testament du daron. Il fumait beaucoup de Lucky Stars, hein, apparemment. Ah, d'accord, le paquet est encore neuf, quoi. Qui achète un paquet, juste l'ouvre un peu. On dirait les paquets que t'as à Château Rouge. Tu sais très bien pourquoi tu les payes. Pourquoi tu les payes 5 euros? Mais quand même, ça me donnerait presque envie de fumer une clope là. Ok, donc il y a tout ça. Il a dit que c'était juste dans la. Ok, dans la Master Suite. Je peux observer, mais ça m'avance à pas grand-chose. J'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus et ça a pas l'air. Oh, des petits. Regardez, c'est un bébé. Un bébé qui mange comme un cracra. Ça, c'est une petite fille qui met des boules de Noël. C'est une photo de stock, hein, clairement. On est sur une chambre Shutterstock. D'accord. Elle est cool cette chambre, attends. Genre, t'as juste ça. Tu ouvres, t'as un petit peu froid l'hiver, mais sinon. Oh là là, elle a l'air coulée. Beaucoup d'affaires à l'intérieur. Papa, avant de mourir, t'aurais pu ranger ceci. Là, on a un Polaroid et des trucs. Dans ma chambre, c'est mes règles. La chambre à Nicole. C'est moi Nicole du coup. Vieille amie. Alors, pardon, pardon, mais est-ce que du coup tu t'en servais juste pour jouer, vu la forme du truc? Parce que vraiment, il y a une blague sexuelle là qui. On est pas loin, quoi. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Parce que là, elle dit, c'était il y a 10 ans. On dirait, genre, une chambre d'ado, genre, qui avait, allez, peut-être 16 ans, à tout casser. Max, donc, ça veut dire qu'elle a, genre, 26 ans. Elle a même pas mon âge. Polyque, des nouveaux. Il y a même la lava lampe qui est encore allumée, quoi. Et des posters de licorne, parce que les meufs aiment les licornes. Le sachiez-tu? Un Battle of the Bands, ok. Ceci étant, la Master Key, elle est où? Est-ce que je l'ai ratée? Il a dit, hein, la clé du directeur, elle a été laissée dans la Master Suite. Donc on est bien dans la master suite, enfin la suite, la suite, mais plein de couteaux, de planches à découper, de machin. Qu'est-ce que tu veux découper là-dessus? En plus t'as que des conserves, gars. Bon, ceci étant, j'aimerais beaucoup avoir un appart comme ça, hein, je vais pas vous mentir. Il a juste fait un carton et s'est dit je le mets là, je le mets sur la gazinière, ça me paraît être une très très bonne idée.
Donc là, on a observé. Non, on n'a rien. On n'a rien. Ah, première énigme du jeu. Je sais qu'il y a eu un ou deux moments où j'avais été bloqué vite fait dans le jeu, quoi. Mais quand même. Ah non, ça c'est ça. C'est des messages sur TikTok. Ah, il a une tasse de la NASA, bah super. Enfin, c'est pas qu'il aime le, il aime l'astrophysique. Juste, il est comme moi avec mon t-shirt NASA, quoi. C'est cool en termes de design. Ouais, je suis là pour ronchonner aussi. Du coup, la clé. Ah, elle est là. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest room, so. Ok. Ouais, elle est... Ouh! Oui. What is this, a joke? Ok, très bien. J'ai un walkie-talkie. Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving, from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The timber line is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Okay. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Alors, Irving. Yeah. I... You... Bye. Allez, on s'en va. Je sais pas ce que je suis censé faire avec la... Never thought to find anything like that. Je sais pas ce que je suis censé faire avec la... Oh! Oula! Eh ben dis donc. Alors par contre ici... Ah, le vent était très fort. Hein. Elle est jolie cette pièce, je sais pas à quoi elle... Ah, c'est un belvédère, juste. Faut que j'aille dormir. Ah, bah écoute, bon dodo. Moi, faudrait que j'y aille aussi. Le jeu est très très cool. Le jeu est très très cool. Bah, si je le finis pas en live, là, je le finirai sûrement lundi prochain. Voilà. Mais merci d'être passé en tout cas. Des bisous. Prends soin de toi. Et à bientôt, j'espère. Nicole, listen, if your car breaks down, we can't come get you, not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just. Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again, thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work. C'est vachement intéressant de le refaire en connaissant toute l'histoire du coup. To do what? To try and stop me. Hey, wait. Bye. Allez, hop, on va prendre la voiture et c'est la fin du jeu. What can go wrong? I have a 1986 Dodge. C'est bien comme voiture, je pense. Eh ben, oui, je peux pas. Ma voiture. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Oui, d'accord. Tell me you changed your mind. You there? Oh yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so. Maybe someone... No, listen.
This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. Donc où est-ce qu'on a mis nos clés de bagnole? Par contre, pourquoi juste tu gardes pas tes... Wow, oui, voilà. That didn't even cross my mind. Genre, pourquoi tu les laisses là, alors que tu peux les mettre dans ta poche? Je sais pas, moi, ça me... Ah, ça me stresserait. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. This place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Non, moi je veux partir. Mais par contre, vraiment le stress, enfin. Mais moi, déjà tout seul dans un hôtel comas, mais non, mais c'est non, j'ai pas envie en fait d'être là avec tous les petits bruits. Laisse béton, je me chie dessus, mais en plus, genre, les clés, garde tes clés sur toi, toujours, tout le temps. Moi, mes clés sont toujours dans une poche, jamais dans mon sac ou quoi, je sais pas, j'ai trop peur de les perdre, enfin. Ah, ok, c'est bouché. Bon, du coup, je dois ouvrir la porte du garage. Ah oui, mais je peux... Si j'ai pas mes clés... Bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. On va voir, écoute. Donc ça fonctionne exactement comme Firewatch, quoi. Il se passe un truc, on fait un rapport... avec le Toki. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Mm. Your father, Rachel. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Okay. Donc notre père s'est tapé une mineure. Enfin vraiment, genre, mon sommeil a trompé sa femme. Mais en plus avec, enfin je sais pas, enfin il dit. Hey, found anything useful? No, no keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole? Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Il est passé oui, il est passé au tutoiement, mais en vrai non, c'est de l'anglais, le you est très voilà. Ok, donc on est coincé ici, on a perdu nos clés, on sait pas où on les a mises, mais on a vu personne. Ah ok, d'accord, très bien, très bien. Donc on a vu personne, on a perdu nos clés, on a un mec qui nous dit d'attendre jusqu'à demain. Pourquoi pas. Ok. Cool, cool, cool. Mais je sais plus ce que je disais. Voilà. Hello. Ah, mais ce vieux son. c'est un modem. Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. Mais ça veut dire qu'elle a dormi ici? Mais dort dans ta chambre d'ado? Okay. Been up there since Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. C'est ça, enfin, genre. Good start. T'imagines, tu possèdes ça? No, I didn't mean. Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just. I'll call if I need you. Après, j'avoue que moi, juste pour le fun. On me dit tu possèdes
je vais aller voir du coup la boiler room et tout pour voir pour mettre le coin. Tu possèdes un hôtel, je vais le revendre, tu vois, parce que je vois pas l'intérêt de garder un hôtel. J'ai pas envie de, je sais pas, ou j'en fais quelque chose, mais tu vois, et je me dirais juste pour 2-3 jours, genre tout ça c'est à moi et je fais ce que je veux, enfin, genre ça, tu vois, genre ce fauteuil, je peux m'asseoir dedans parce qu'il est à moi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Juste pour ce petit plaisir de quelques jours, évidemment, après, faites-en quelque chose, voilà, donnez-le à une asso, revendez-le, proposez des nuits gratuites. Du coup, ouais, liste de choses, je sais pas, il m'a parlé de. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I love that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. Oh, I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Et là on descend. Funny, C'est right? ça? Ouais. C'est vraiment une entrée de service. Hein. C'est vraiment une entrée de service parce que l'escalier, tu fais rentrer un humain, quoi. Is there something else I should know, like to survive? Donc c'est là. Well, don't expect a five-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Donc, est-ce que je peux appuyer là? Donc là, on a la. Ok. On a la chaudière. Irving, Mais ça marche are you pas. at the furnace? He's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting. Non, mais c'est pas drôle. I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting the furnace? Le fantôme qui pète. Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. Ok, très bien. Donc, je peux pas faire mon rapport. Ce que je fais. Mais qu'est-ce que. Ah. Okay. Ça prenait juste du temps. How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess. What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220. Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 PSI. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting Ok. ghost, you rank spirit. Wake up. Huh? Nothing, just talking to an old friend. Donc le bouton vert. C'est pas ce qu'il fait. And here he is. Mais ça fait un bruit de proute, quoi. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea. Genre, non, alors c'est pas aussi immédiat vu la quantité d'eau, mais possible que le temps qu'on remonte à la chambre, effectivement, on aura de l'eau chaude. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est qu'on a quand même une liberté. En vérité, on a de la liberté hein, pour se balader à peu près partout si on veut. Voilà, je peux aller là-bas. Juste, ça me sert à rien. Give me some good Donc j'y vais news. pas. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I Et sinon left tu it. prends n'importe quelle chambre. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. Les reflets, How does putain, ils that make sont you beaux feel? alors que fin. They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. C'est vraiment sûrement un truc déjà But I'm précalculé not et tout, mais 16 ah, c'est anymore. beau.
There's lots of other rooms in the hotel. No. I think I'll sleep just fine. Oui. Okay. C'est pareil, c'est genre de truc, imagine, t'es genre dans un endroit si grand où tu te dis « Oh, je suis fatigué », et au lieu de juste te dire « Faut que je marche jusqu'à la chambre », non, tu ouvres n'importe quelle chambre. Et tu t'allonges, et t'as des draps frais, t'as la flemme de les nettoyer, t'as encore 30 chambres. Tu peux tenir une année entière. Hey. Une année entière à dormir sans faire de lessive. Chacun ses rêves. No problem. I get it. Almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it. I'm beat and I'm rambling. No, no. Par contre, elle est fatiguée très vite. Red and Holders. Vous n'aviez pas les droits et c'est un peu rigolo. Alors, ceci étant, ce petit meuble est pas mal. J'hésitais à me prendre le même pour la salle de bain. Voilà. Au final, j'ai juste des étagères qui se mettent à la hauteur qu'on veut grâce à Leroy Merlin. N'hésitez pas à sponsoriser le stream Leroy Merlin. Des étagères d'angle qui sont très chouettes. Ah oui, ça c'est Fébraise. Ça c'est une vieille éponge. Ça c'est des clopes. Par contre, ouais, enfin, elle se fatigue vite parce que genre, on est juste descendu à la chaudière. Bon après, c'est vrai que je me rappelle de certains trucs, mais genre dès qu'ils disent « Oh là là, j'aimerais bien avoir la chaudière », bah tu descends en sous-sol parce que tu sais que c'est là qu'il y a une chaudière, forcément. Mais genre, elle a mis de l'eau chaude et là genre « Oh, je suis fatigué !» Girl, quand même. Tu vois ? Bon, on va jouer de la basse. Une basse qui est toujours accordée après plusieurs années. Ça ne, non. Normalement, une basse, avec les changements de température, les cordes, elles se tendent, elles se détendent. Non. Voilà. Il y a des systèmes hein, pour garder l'accordage propre longtemps, mais voilà. Oula ! Pourquoi on est sur le belvédère ? Ça s'est dégagé ? Ah, ça bouge moins qu'au début. Ça s'est dégagé. Il a l'air de faire bien. Good morning, Nicole. Come a rock. I forgot my bed was so comfy. Ensemble so, comme un rock. What? Is the situation on the roads any better? Just give me a sec to get it together. I need some coffee. I didn't get any shut eye last night and. Wait, you didn't sleep? Like. At all? Oh là là, il y a trop de. You might need something and... But I, you didn't go home? Il y a trop de buée, on ne peut pas lire. C'est pas pour nous montrer que l'extérieur est juste dégueulasse. Ah oui, putain, oui, on n'a pas mangé pour l'instant. Je pourrais manger un cheval. Putain, quel enfer, t'imagines. T'es coincé là et t'as juste des haricots en conserve nul. Game room! C'est la game room. Est-ce que vous voulez jouer au flipper? À Street Warrior? À Fury Road Survivor? Ou à Ping Pong? Bah oui, en vrai. Non, on peut pas. Je suppose qu'il y a un flipper. Ah, et Mission to Mars. Alors ça, je vois absolument pas ce que ça peut être. Mais c'est peut-être Space Invaders. Très joli ce petit néon. Hein. Game room. Voilà, c'est une chambre de gamer. Il y a aussi des fléchettes. Comme ça, tu peux. En fait, soit tu tires sur les fléchettes, soit tu rates.
Si tu touches pas la cible, tu touches les joueurs, du coup, là, qui sont sur la gauche. Bon, on a dit qu'il fallait trouver les baked beans. Par contre, c'est là, t'es enfermé dans la montagne, t'es toute seule, et en plus, tu manges de la bouffe, pas ouf. Remboursé. Ça, j'entends d'ici les voisins qui claquent des portes, là. Calmez-vous, calmez-vous. Ah oui, non, là, c'est le storage. Le seul truc que je reprocherais, par contre, c'est qu'on a cette carte. On a juste une vague idée de où on est. Pour les gens qui ont des petits problèmes de repérage dans l'espace, c'est pas ouf, ouf. Ah, voilà. D'accord. Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Mm. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. I was thinking more like mold, bacteria, and such. You'll see. There's nothing to worry about. Ok. Non, c'est pas là. Après, il a pas tort sur un point. La conserve a cet avantage-là, que tant qu'elle n'est pas ouverte, elle est bonne. Et mine de rien, c'est un des gros avantages de la conserve quand tu pars en camping, machin et tout. Surtout si t'as de quoi la faire réchauffer, même s'il y en a que voilà qu'on peut manger comme ça. Tu achètes des conserves, ça prend pas beaucoup de place, ça nourrit beaucoup de personnes, et ça ne périme quasiment jamais parce que c'est hermétique. Voilà, ça perd juste de son goût. Éventuellement. Une petite citrouille moisie. Some food, but it looks moldy. Weird. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Ah, attends, je pensais avoir trouvé le freezer. Du coup, il est pas là. Il est là? Ah, il est là. Alors. Ah. Oui, donc en plus, non seulement des conserves, mais dans un truc qui est à moins 1000 degrés. Pas de service. Ok, bon, est-ce qu'on va mourir là-dedans, dans cette chambre froide des enfers? Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't close. Are you fucking with me? No. Wait. What did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit, I'm a freaking space cadet. Yeah, I could have died in there. Pardon, il y a un chat, juste à côté. Bon, on a trouvé de la soupe, qui, je pense, doit juste être giga congelée. Qu'est-ce que... Faut que je la fasse réchauffer? Ah, une micro-ondes pourrait être utile, oui. Alors, c'est... Oui, c'est cela. J'aime bien ces petits instants cinématiques. Voilà. Il se passe pas grand chose, mais c'est juste assez important pour qu'on comprenne. Enfin, je sais pas, c'est beau. On n'a pas ça dans tous les Walking Simulator. Ah, voilà. C'est passionnant, hein. T'as, vous voyez la cuisine. Elle est, par contre, tout est immaculé, hein, donc ça a quand même été assez bien lavé. Voilà, il y a un peu de poussière, mais pareil, moi je te vends l'hôtel, je suis là genre, bah papa, attends, dans la cuisine, je me récupère des trucs, là. Il y a des spatules, il y a de la louche, il y a de l'écumoire, il y a des trucs très intéressants là-dedans. Des versions réduites de chacune. Ça, c'est une cuisine qui est pas dégueu, hein. Par contre,
si je dis pas de bêtises, elle est assez mal pensée, puisque normalement une cuisine, tu dois commencer à un endroit. Oui, bah le micro-ondes, j'arrive. Et tourner. Ouais, tourner tout autour de ça pour éviter que les aliments se croisent et tout, machin, enfin pour des raisons d'hygiène. Alors pas les rouffins, c'était la cantina, ça. Ah, le mug lunch. La bonne soupe. Dégueu. Putain, c'est dégueulasse. Je n'ai pas acheté de conserve depuis... si longtemps. Je... About time. When's he getting here? He tried to make it. His car ended up in a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. Ah oui, non, je peux pas aller. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... this is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole. At this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Très bien. Donc, il faut... Irving a suggéré d'inspecter le deuxième étage d'abord. Bah, c'est là où je suis. Ah non, là c'est le first floor, donc il va falloir que je grimpe encore, du coup. C'est là qu'il y a les escaliers. Plus maintenant qu'on a mangé de la bonne soupe. Et ça, c'est le second floor. Donc là, il m'a dit first floor. Et si je suis là, la carte, elle me dit... Très bien. Ah oui. Ah oui, quand même. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage too. Yeah. Donc, il y a des cracks, il y a aussi des... Qu'est-ce que c'est que ça? Révision. Construction cost. Ah, d'accord. C'était prévu qu'il fasse des travaux, mais il a annulé quoi. Ah, il manque de la peinture. Là, c'est condamné. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Oui. Hello? Alors qu'en vrai on pourrait y aller, enfin genre il y a une chaîne. I've joked about it, but it's not funny anymore. I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Ça va, le chat? Oui. Allez. Bah, par contre, ce qui est con, genre, tu vois, genre, oh, c'est condamné, bon, du coup, t'y vas pas, mais genre, si t'as envie, t'as juste à... Enfin, je veux dire, tu pètes ça. La porte, elle est niquée de toute façon, faudra la remplacer. Donc, je veux dire, à ce niveau-là, pète la porte, enfin, pète ça, et tu passes à travers, et tu vas voir, je sais pas. Bon, on a d'autres trucs à dire. Est-ce qu'il y a des portes spécifiques? La moisissure, on la reporte. Stephanie. Ok. Un téléphone, c'est... Non. C'est devant moi.
Yeah. Hello? Who is this? Who the hell are you? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Rachel n'est pas morte. What? You think you can call my house and threaten me? Come tell me to my face, asshole! Donc quelqu'un vient de nous dire... Quelqu'un sait qui on est. Il vient de nous dire qu'il ne faut pas vendre l'hôtel parce que Rachel, la fille qui se serait suicidée... Il n'y a rien à faire en plus. Serait toujours là? Mais genre quoi? Genre elle est... Elle était enfermée sous terre? Enfin c'est... Attendez, les bruits que j'ai entendus là, c'est dans le jeu ou c'est chez moi? You pissed at me? You really think I'm gonna stalk like a 10-year-old brat right now? I can see why it's hard to talk. Attendez. Non, non, parce qu'il y a eu un bruit qui vient pas du tout de chez moi là, qui vient pas du tout du jeu. Je vais continuer, je vais voir. There's nothing to clear up. You delivered supplies to the hotel. You met Leonard, period. You're right. I just assumed that your dad had told you. Whatever. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. I think I get it, almost. Pas la prendre. Peut-être que ce sera pour plus tard, là. Non. Rachel, it was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You're talking about anyone in particular? Je veux grimper, mais il grimpe. Her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, si tu veux pas, tu veux pas. Genius astrophysicist. And Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Non, tu grimpes. Si tu veux des câlins. You know what I think? Voilà. They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Bon, elle a l'air très énervée. Oh, tu es belle, hein? Mais oui, tu as un beau chat. On est déjà au jour 3. Bon, on a avancé. Ça qui est bien, par contre, j'ai pas assez de souvenirs assez précis du jeu pour savoir combien de jours il dure. Ça fait combien de temps qu'on est en stream, ceci dit? Ça va être un petit stream hein, ce soir, mais 1h30. Une petite heure et demie. Et il est 3h14. Ah oui, quand même. Parce que demain, je dois être à Châtelet à 10h30. Il n'y a plus de lumière. Quoi? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention though. Mm-hmm. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Oh, ah bah du coup on avait trouvé les lampes torches. Il y a deux secondes. The electricity generator could go bust. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. Attends. We need to do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. On avait été I can là. Guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. That's it? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door or from the floor you're on. But the garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor.
If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and... Oui, voilà. Ah bah nickel. Donc c'était ça. J'ai bien fait de la retrouver. De la trouver. Ça, je me rappelle que c'est vraiment un truc qui m'a... qui m'a fait chier, ce passage avec... Oui, en plus. Hey, okay, almost there. I think the lights are getting worse. Parce qu'en fait, je sais qu'il y avait un moment où vraiment tu dois trouver ça et... Voilà. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. Oui, alors là, c'est le vide sanitaire. C'est que, ouais, je devais trouver cette lampe. Et j'ai mis mes trois plombes, en fait, à... The crawl space. I totally forgotten that. Remember where to go? À la trouver. Donc, un crawl space, un vide sanitaire. Alors, c'est jamais... Hein. C'est juste des passages secrets. Voilà. En fait, tu appuies et tu peux passer entre les murs et tout à différents étages plus rapidement sans croiser les clients. Ça se fait plus trop aujourd'hui. Voilà. C'est une dynamo qu'il va falloir taper. C'est bien? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? Oui, ça va. I don't remember the crawl space to be so narrow when the technicians went inside. Maybe you gained weight. It's called growing up. Peut-être que tu es grosse. Non. OK. Donc va falloir... Ah voilà. Donc adorable, ce bruit là, le ptiou, ptiou, ptiou. Shit. What's wrong? Your prophecy came true. The power went out. It's completely dark, pitch black. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator. Bah si t'étais resté juste comme ça sur mes genoux. Perfect. I got the flashlight, sorta. Bah t'arrêterais de demander des câlins là. Like my cable trail, whatever. I can do it. Je commence à avoir faim. Est-ce que je vais me faire un truc à bouffer? Est-ce que je vais faire une pause le temps de lancer des trucs à cuire ou pas? Non, parce qu'en vrai, je vais avoir faim direct après, donc m'avance pas beaucoup. On va stream encore un peu. Alors, je dois faire quoi, là? Ces câbles devraient mener au générateur d'urgence. D'accord, donc je suis censé trouver... Alors, en fait, j'ai pas suivi les bons câbles, je pense. Attendez, on va faire demi-tour. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y avait pas un embranchement, genre... Voilà, non. C'est absolument pas là que je devais aller, ici. Ah, voilà. Donc, soit je vais là-haut... Non, on va regarder, on va vite savoir où on est. Donc là, en gros, je vais en bas, en bas, en bas, en bas... Évidemment. Et donc là, c'est le générateur d'urgence, je suppose. C'est vraiment beau, cette lumière, et ces petits passages-là. Et donc là, paf. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rouge à lèvres. Tournevis. What's up? Hi, I want to ask you something. Okay, go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know, probably pretty rushed. Why? I found something. T'as trouvé un rouge à lèvres? A lipstick. Pourquoi un autre Polaroid?
Doesn't that seem weird? It's a lipstick. You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Okay. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Cut the crap. A lipstick here is totally out of place. Nicole, elle n'a pas totalement tort. Just another one of those things customers forget. Oui, mais... I... Ouais. Well... Mais pourquoi du coup il serait pas juste dans les objets trouvés? Qu'il aurait juste déposé là? Pardon, pourquoi juste ouais déposer un rouge à lèvres dans la salle avec le générateur de secours? Ça n'a pas de sens. Genre c'est dans le bureau ou quoi, pourquoi pas, mais là? C'est hop. Écoutez, je vous propose juste un truc, une micro-pause. Je vais vraiment me préparer à bouffer parce que j'ai un peu faim. J'ai un peu faim et je sais que d'ici 15 minutes, vraiment, je vais avoir envie de manger. Donc juste, je fais une pause, le temps de lancer de l'eau à bouillir et tout, machin. Et puis voilà, et on voit quand est-ce que je stoppe. Oula, y'a plus personne. Y'a plus personne sur le live. Bah on va peut-être arrêter maintenant du coup. on va pas niquer les stats un peu plus. En vrai on va arrêter. Ce sera un petit live. C'est 1h30, voilà. Mais en fait j'ai faim et je sais très bien que dans 20-30 minutes, plus ça va aller, plus je vais avoir faim. Je suis sur une semaine où mine de rien en plus je vais pas beaucoup dormir et tout. On va le continuer lundi prochain. On continue lundi prochain. On a fait une petite heure. Le jeu est assez court hein, donc il y a moyen qu'on le finisse en 2-3 lives. Mais voilà, on l'a fini. On a fini pour ce soir. C'est vraiment un jeu cool. C'est vraiment un jeu très très cool. Hein. Mais voilà, on est au quatrième jour. Je sais plus combien y a... Je vais regarder. Ah oui, il y a 9 jours. Donc oui, effectivement, on a fait totalement la moitié. Donc c'est bien. On va se stopper là. Hein, je propose ça. L'abonnement a expiré. Bah super. On va se stopper là. On est sur un jeu qui est assez court. Je me vois mal en plus du coup continuer genre une demi-heure et tout, et voilà. On terminera lundi prochain, ce sera très bien, ou dans la semaine, je verrai. En attendant, on se retrouve toujours jeudi pour le petit stream langue des signes actuel SF. Putain, excusez-moi, mais voilà. Et samedi pour un live avec une invitée exceptionnelle, Cochlear Life. Il n'y aura pas de live Ring Fit cette semaine non plus. Parce que, voilà, c'est la vie. Si, il y en aura peut-être dimanche matin, remarquez, je sais pas. Je commence tard dimanche. Donc je verrai. Je pourrais peut-être le faire le dimanche matin si je me lève assez tôt. Mais voilà, samedi soir, du coup, petit live avec Cochlear Life. Nouvelle invitée sur la chaîne. La dernière, c'était quand même... c'était Petroni, c'était il y a longtemps. Et puis avant ça, c'était Mélanie. Donc vraiment, voilà. Ça date. En tout cas, écoutez, j'espère que le petit jeu vous a plu, que ce petit live un peu chill, fin de soirée, remise de gueule de bois, vous a plu aussi. Sur ce, moi, je vais bouffer, parce que vraiment, j'ai faim. C'est horrible. J'en peux plus d'avoir faim. J'en ai marre d'avoir faim. Ma vie, je la passe à manger. Et puis à jeudi. Voilà. Des bisous. Salut.